de recommandations prônant le renforcement de l'engagement politique et la coordination multisectorielle, exhortant tous les leaders communautaires et religieux à œuvrer conjointement pour atteindre les objectifs de tolérance zéro de MGF pour préserver ainsi les droits et la santé des femmes de la sous-région. C'est l'implication personnelle et importante et combien importante de la première dame de Djibouti dans la lutte contre les MGF. La volonté affichée du gouvernement de Djibouti, représentée par beaucoup de ministres, plusieurs ministres, dans la lutte contre les MGF et également le combat transfrontalier et non pas uniquement national engagé contre les MGF, c'est-à-dire la présence des ministres de la région ici présents. Et quatrièmement, l'engagement des partenaires au développement qui se sont engagés à soutenir la lutte contre les MGF. Ce sont là des acquis importants que nous devrons développer encore plus.